À Boal dans une situation un peu inattendue, loin des plateaux télé, loin des projecteurs, c'est ça votre vraie vie ? Voilà, ma vraie vie, c'est ça, c'est donner du bonheur aux gens en jouant de la musique. D'accord, vous êtes musicienne ? Je suis accordéoniste et pianiste, oui. D'accord, ok. Et vous vous promenez comme ça tous les dimanches ? Oui, je fais des thés dansants régulièrement. Là, c'était donc pour une association, je le fais pour la sauce, puisqu'ils ont besoin un peu. Donc je m'étais portée bénévole pour animer cet après-midi. Vous avez aussi une autre spécialité ? Oui, je suis hypnothérapeute aussi. C'est-à-dire ? Et je suis spécialisée dans l'arrêt du tabac en une seule séance. Je fais arrêter les gens de fumer. Donc c'est par hypnose, enfin, oui, sous hypnose, oui, ça fonctionne très très bien. Donc il y a 80 000 morts par an dues aux méfaits du tabac. Si on voulait que ça s'arrête, eh bien on rembourserait les séances d'hypnose, ça serait tout simple. Et la médiatisation que vous connaissez actuellement, ça vous tourne pas la tête ? Ah non, pas du tout, ça me tourne pas du tout la tête. Je continue à travailler, enfin j'essaie. C'est assez compliqué d'allier toutes mes activités avec des déplacements à Paris assez réguliers. Mais j'y arrive. D'accord. Il faut t'en profiter. Attention, si tu es celui qui vit dans le bonheur jusqu'à la nuit, en ce moment, en ce qui concerne l'actualité du moment, vous avez vu les manifestations qui sont déroulées, pour nous en dire un mot. L'actualité du moment, c'est qu'on est dans un climat insurrectionnel et que c'est très très grave. Et j'ai l'impression qu'il n'y a qu'en bas qu'on s'en aperçoit. Donc le problème, c'est que là-haut, eh bien, il faudrait qu'ils descendent un peu de leur perchoir, hein, ou de leur nid, ou de leur tour doré, pour venir voir ce qui se passe en bas. Parce qu'en bas, nous sommes les conséquences de conditions et de décisions absurdes qu'ils ont pris en haut. Ils auraient pu venir au thé dansant, par exemple. Hein. C'est ça, la vraie vie aussi. Ah ben oui, mais bon, il n'y a pas de danger que ces sommités se déplacent. Est-ce que vous avez rendez-vous à l'Élysée avec M. Macron, par exemple ? Ah, pas pour l'instant, personne ne m'a contacté. D'accord, si on vous demande, vous y allez ? Si on me demande et que le peuple m'en donne la mission, oui, j'irai, parce qu'aujourd'hui, il faut absolument mettre fin à ce climat insurrectionnel qu'on a. C'est pas possible que ça continue. Et la clé, la fin de ce conflit, c'est l'État qu'il a.